Hop, c'est tout le monde. Parti. Oh là là là, les graphiques. Il n'y a pas moyen d'avoir qui bouge. Vraiment à l'ancienne, quoi. Vos voyages vous ont épuisé, mais vous êtes fasciné à la vue de Baldur's Gate. C'est une ville de contes et de légendes. Un endroit où la gloire et la fortune sont au coin de chaque rue. Il fait nuit lorsque vous pénétrez dans la ville, et tout est étrangement désert. Vous décidez de trouver un abri pour la nuit. Mais vous découvrez que la nuit aussi, le danger guette. Et en l'espace d'un instant, le danger est sur vous. En effet, voyons un peu ce qu'il y a d'intéressant dans ces poches. Halte ! Qui va là ? Les sentinelles ! Fichons le camp d'ici ! Oui, mais n'oubliez pas l'or. Laissez le reste aux sentinelles. Ces saletés de voleurs deviennent chaque jour de plus en plus entreprenants. Cette victime-là est toujours en vie. Apparemment, il n'en avait qu'après l'argent. Du calme. Vous avez reçu un sacré coup, vous savez. Les voleurs qui s'en sont pris à vous sont partis avec votre or. Mais au moins, vous êtes en vie. C'est pas le cas de tous ceux qui ont croisé leur chemin. Il vaut mieux rester chez soi la nuit. Les rues ne sont pas sûres. Vous devriez aller à la taverne du Champ de l'Elfe. C'est pas loin d'ici. Évidemment, c'est un repère de malfrats. Mais si ça se trouve, l'un d'eux sait peut-être où se trouvent vos agresseurs. Attiré par une voix envoûtante, vous entrez dans la taverne du Champ de l'Elfe. L'endroit est petit et rempli d'habitués fort différents les uns des autres. Sans oublier quelques trophées. Là, la voix envoûtante vous entoure. Les clients de la taverne restent muets, charmés par ce qu'ils entendent. L'un après l'autre, ils semblent succomber au chant de la sirène. Belle chanson, hein? Je l'ai entendue des centaines de fois, et pourtant elle continue à m'émouvoir. Personne ne le sait. Son esprit habitait déjà les lieux quand j'ai acheté la taverne. Certains disent qu'elle pleure un amour perdu, un soldat mort en défendant la porte de Baldur. Elle chanterait dans l'espoir qu'il revienne en entendant sa voix. Mais bon, c'est juste des légendes tout ça. Bienvenue au Champ de l'Elfe. Que puis-je faire pour vous ? C'est bien le genre de cette nouvelle guilde de voleurs. Vous avez de la chance d'être encore en vie. La rumeur prétend qu'ils ont tué deux sentinelles et fait disparaître plusieurs voleurs de l'ancienne guilde. Oui, mais... À votre place, je resterai en dehors de tout ça. Ce ne sont pas des gens à fréquenter à moins de vouloir mourir égorgés dans une ruelle. Ah, ce chien, il est pas allé voir. Mais je n'ai pour ainsi dire pas le choix, ils m'ont pris tout ce que j'avais. Alors si vous savez où il se trouve, dites-le moi. Eh bien, personne ne sait où se réunit leur guilde. Mais bon, si vraiment vous voulez les retrouver, essayez les égouts. Pourquoi les égouts ? Je pense qu'ils les utilisent pour se déplacer dans la porte de Baldur. C'est sûrement pour ça qu'on voit autant de rats en surface ces temps-ci. Je vois, comment puis-je me rendre dans les égouts ? Il y a bien une porte dans la cave de cette taverne.
Je l'ai verrouillé il y a longtemps, avant le début de la guerre des guildes. Permettez que j'utilise cette porte. Eh bien, il y a juste un petit problème. En fait, peut-être qu'on pourrait s'aider mutuellement. Que voulez-vous dire ? Nous avons dû condamner l'accès à la cave, à cause de tous les rats qui s'y sont installés. Si vous m'en débarrassez, je vous donnerai la clé de la porte. Et même un peu d'or pour vous remettre en selle. Qu'en dites-vous ? Marché conclu. La porte de la cave est verrouillée. C'est Eton qui a la clé. Il est là-bas, dans le coin. Qui est Eton ? C'est l'un de nos habitués. C'est lui qui, d'ordinaire, descend me chercher du vin à la cave. Mais il n'a pas pu y mettre les pieds depuis l'apparition des rats. La semaine dernière, ce doit être la présence des voleurs dans les égouts qui a chassé toute cette vermine vers le haut. Oui, bien, je vais demander la clé à Eton et m'occuper de ses rats. Bonne chance. Et faites attention aux rats, ils peuvent se montrer très agressifs, surtout quand ils sont acculés. Ok, hop. Non, ce n'est pas possible ici. Hop. Non, ce n'est pas possible ici. Bonjour, je vous ai vu entrer. Vous avez une sacrée bosse sur la tête, dites-moi. Je peux vous aider ? C'est exact. Nous avons verrouillé la porte de la cave dès que les rats ont commencé à l'envahir. Vous avez besoin de la clé ? Ah, tu m'as demandé de passer, tu sais, je vous donne la clé pour que tu la cave. Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un problème de rats et non pas des voleurs qui s'en sont pris à vous ? J'ai entendu votre conversation avec Alit. Écoutez, laissez tomber. Vous ne vous en êtes pas trop mal tiré. Ne tentez pas le diable. Je dois les trouver, je n'ai pas le choix. Ils m'ont pris tout ce que j'avais et j'ai bien l'intention de le récupérer. Eh bien, peut-être que l'idée d'affronter ces voleurs ne vous rebute pas, mais avec les rats. Je m'en fiche des rats, donnez-moi la clé, un peu c'est tout. Très bien, je vous aurais prévenu. Voici la clé de la cave. Ne soyez pas trop long, ou je viendrai vous chercher moi-même. Oh, et avant de partir, prenez cette dague. Ce n'est pas grand-chose, mais on ne sait jamais. Alors attention, merci pour la clé. Ah ouais, tous les points et tout. Non, ce n'est pas possible ici. Alors... C'est dommage, j'ai pas plus de... Non, ce n'est pas possible ici. On va fouiller là les trucs. Non, ce n'est pas possible ici.
sérieux. Que j'ai comme touche. Ah. Ok. Hop. Fort. Bien, voilà.
Ah ok, c'était ça pour lui. C'est ça. Oh, c'est cool qu'il ait ressorti ces jeux sur Steam. J'espère qu'ils sortiront deux aussi. Ça carburant dans le sens. Quête. Vous revoilà. Vous avez vu Eton en bas? Il vous a suivi en bas, il y a peu de temps, et j'ai peur qu'il ne se soit perdu dans la cave. Ou pire, il s'est peut-être aventuré dans les égouts. J'ai bien essayé de l'en empêcher, mais... Ne vous en faites pas, Alic, il n'y a plus de rats en bas, je vous le garantis, il a du super, je vais le retrouver. Merci. Mais attendez, prenez ces quelques pièces. En récompense de tout ce que vous avez fait. Et comme promis, voici la clé de la porte. Mais faites attention, vous allez tomber sur bien pire que des rats dans les égouts. Cherchez l'autre. Elle. Ah. Présence. Mortel, coup critique. J'ai pas cassé ça. Ah, mais
Bon, la musique est vachement fort. De plus, on pourrait avoir deux armes ou pas sur ce jeu. Hop, sauvegarder. Ouais, cobolds. Pas des cobolds ou je sais pas ce que c'est. Et puis des sages. Piquer leur épée, oh, c'est dommage ça. Là, c'est tellement bien de pouvoir casser les éléments comme ça. De là, ok. Alors du coup... Oula, ok, top. Pas moyen de ramasser leurs armes, sérieusement. Bon, je vais les pop. Ah, faut que je fasse gaffe, c'est vrai. Ah oui, il faut mettre le casque. Ça va.
Ça marche. Ouais, on te récupère. C'est cool, j'ai plein de flèches, mais j'ai pas d'arc. Bon, en fait, je le fais. C'est bon. Ah, voilà. Alors, du coup... Apparemment, je peux équiper les autres. Je peux équiper l'arc. Je vais avoir une touche pour switcher d'armes. Voilà, ok. Qu'est-ce que tu nous ramènes là? Un rat d'égout? Ne l'abîme pas. Maître Xantam voudra sûrement lui parler, il vaudrait mieux qu'il soit en un seul morceau. Ah, très bien, je t'attendais. As-tu reçu le paquet de Maître Xantam? Ouais, et je l'ai même sur moi. Et tu sais ce que tu dois en faire? Il m'a dit d'aller dans les cryptes et de le placer dans la chambre des cendres. Parfait. Tu trouveras l'entrée au niveau inférieur, après la grille des égouts. Veille à ce que personne ne te voie entrer dans le temple, et fais exactement ce qui t'a été demandé. Et maintenant, file. Je m'occuperai du prisonnier plus tard. Garde un œil sur lui. Enfin, je bats ça sérieusement. On va le porter.
je visais. Ah, faut vraiment bloquer les touches comme il faut, ça va passer. Clavier, je... Reculer... carte automatique, machin... Je sais pas... L'arc au clavier souris, ça a pas l'air ouf, hein. Oh là là. Ouais, machin. Yeah. Ok, mais... Truc, je dois pas comprendre avec l'arc. Changer d'arme. Alors, comment je rentre là-dedans? Ah. Ouais. Là. Un petit peu ce choquet qui s'ouvre. Pas leur piquer leur arme. Je piquerai tout, je revendrai tout, mais... Oh! Oh là là.
nouveau truc intéressant un peu. Genre le casque que j'ai looté. Oh les gens. Équipé. Qu'est-ce que ça me casse? C'est saute le même que j'ai. Oui, comme ça, j'ai que ça. Ah, déception. Alors, t'es un peu sur la combien, 24, 23, ok. J'ai du mal avec les commandes. Je sais même pas écrire en français, quoi. Là-bas ou pas. Il y avait de l'autre côté, il y avait quoi? Ah tiens. Un coffre. Oh.
nombreux à pouvoir. Que j'avais pas exploré le côté là, en bas déjà. On avait déjà retourné en bas quand même. Ça m'intrigue là. C'est pas avec ça que je vis. Première mort. On va du coup. Bon, on va tenter, hein. Là, je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Faut que je spamme les potions. J'ai ramassé ça. Oh.
Ah, je devrais essayer de jouer à la manette. Hein. J'ai testé. Sur la planche, non ? Je lui fais quoi ? On a encore du pain sur la planche, non ? Hop, ouais, j'ai mis la manette, ça sera peut-être plus simple du coup. Un peu les touches. Ok. Regarde, les pressions, je sais pas qui est touché, moi. Ok. Oh, mais trop chaud, que... Waouh, il va être chaud à tomber, lui. Ah, mais il est là, en fait. Yes. Même pas.
Ah bah je sais quand même lui d'y jouer à la manette hein. XP. Allez hop, je vais garder, hop. Le mec que j'ai tué, je vais ramasser ici. Je sais pas un niveau ou pas. Non, pas encore. Pas tarder quand même. Ah, ça m'a tellement un bon jeu comme ça maintenant de nos jours. Pas d'escalade là. Voilà, merde, y'a un gros. Reviens. D'accord. Ah, des flèches.
attend beaucoup. Tu viens à la porte. Ah, venez, venez. Oh mon dieu. On va essayer avant tout qu'ils prennent là. Je voyais aussi là. Mais si j'en viens, non? Il y a plein de morts ici. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai déjà fait ici? Non. Peut-être. Je n'oublie rien. On va aller là-bas. On va essayer de ce côté. Un boss, merde. Ah,
Allez, hop, ça c'est fait, envie de sauvegarder. J'aurais peut-être le temps de caler les bandes, non? C'est verrouillé. Je peux remonter apparemment. T'es où la taverne? Vous revoilà. Vous avez vu Eton en bas. Je suis pas devant des trucs à toi. Oh là là. Que je trouve un vendeur. Oh, un vendeur dans cette ville. Comment il n'y a pas de vendeur dans la ville là? Il faudrait que deux peut-être. Je fais quoi de tous les trucs que j'ai accumulés quoi? Bon, mais tant pis, hein. C'est sûr qu'à terre, je ne peux faire rien du genre, moi. C'est embêtant, ça. Ah oui, en plus que je retrouve l'autre, j'ai pas encore retrouvé l'autre. Mon sac à dos est plein. Il faut que je trouve une clé pour descendre en bas en plus. Ah! Dieu merci, vous voilà. Je me voyais déjà finir dans l'estomac d'un kobold. Patty m'a dit que tu étais descendu à cave pour me rejoindre et je puis le ressenseur. Eh bien, après vous avoir donné la clé de la cave, je m'en suis voulu de vous avoir laissé descendre comme ça. Alors j'ai voulu vous rejoindre. Et une fois arrivé en bas, je me suis retrouvé entouré par une horde de kobolds. Ils m'ont jeté dans cette cellule et ils m'y ont enfermé. Les portes des égouts étaient verrouillées, comment avez-vous fait? On peut accéder aux égouts depuis la rue, et c'est par là que je suis passé. J'en avais entendu parler quand j'étais dans la guilde. L'ancienne guilde, pas la nouvelle. À la retraite, c'est du passé, là.
Mais ce que j'y ai appris peut peut-être vous servir. J'ai réussi à prendre cette clé au chef que vous avez tué. Elle vous servira certainement dans les égouts. Si vous avez toujours l'intention d'attaquer ces voleurs, vous en aurez besoin. Pendant ma détention, j'ai entendu certains des voleurs de cette nouvelle guilde parler d'un plan. Voilà ce que j'ai entendu. Je ne sais pas ce que ce voleur transportait, mais ça paraissait louche. Si vous voulez contrer leur complot diabolique, vous devrez vous rendre plus loin dans les égouts et trouver ce voleur. Très bien. Inutile de vous dire de faire attention. Je vous retrouverai au champ de l'elfe un peu plus tard. Venez me voir quand vous aurez trouvé ce voleur et ce qu'il transportait. Quant à moi, je vais essayer de renouer avec de vieilles connaissances qui pourraient peut-être nous fournir des renseignements très utiles. Mon sac à dos est plein. 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 Ouais, on va ça. Deux, mais ouais, y a pas de marchand sérieusement. Oh là 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 là. Merde. J'ai sauvé l'autre qui est peut-être un marchand. Hein. Merci d'avoir retrouvé Eton. Il m'a raconté ce qui s'était passé dans les égouts. Voici quelques pièces pour vous dédommager. Et vous pouvez venir ici vous reposer quand vous voulez. Non, ce n'est pas possible ici. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? On les appelle... Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? La rumeur prête... Je suis pas dans des trucs à toi là. Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous remercier? J'aurais mieux fait de suivre mes propres conseils et de rester en dehors de tout ça. Tenez, voici quelques pièces en remerciement. Et un vieux bibelot que j'ai depuis pas mal d'années. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut toujours être utile. Vous avez trouvé ce voleur que vous cherchiez dans les égouts? Je suis trop chargé. Non, ce n'est pas possible ici. J'ai plein de choses avant, mais... Alors, des courtes, machin... Je vais mettre tout égard...
Une amulette. Est-ce que je peux l'équiper? L'amulette, elle est où? Non, ce n'est pas possible ici. C'était pas... Ravi de vous rencontrer. Je suis toujours content de voir de nouveaux visages. Tenez, asseyez-vous, prenez un verre. Je m'appelle Ipswich. Quel bon vent vous amène à la porte de Baldur? Quelle sale histoire. Je suis vraiment désolé. On dirait que la porte de Baldur ne traite plus ses hôtes comme il se doit. Moi non plus, je ne suis pas d'ici. Je suis venu présenter mes hommages à la chapelle des Endeuillés, le temple dirigé par les prêtres d'Ilmater. Mais je n'ai pas pu entrer dans le temple, il était fermé, et personne n'a répondu à mes appels. J'ai un mauvais pressentiment. Le corps de mon frère repose dans les cryptes sous la chapelle. Je voulais me recueillir sur sa tombe et récupérer son médaillon enterré avec lui. Il a toujours souhaité que ce médaillon reste dans la famille. Et maintenant que j'ai un enfant, j'aimerais le lui transmettre. Seulement, je ne sais pas comment faire, alors je viens ici, je bois et j'attends la réouverture de la chapelle. Non, ce n'est pas possible. Allez, laisse-moi. Je veux pas d'ennui. J'attends quelqu'un, mais... Je crois qu'il ne viendra pas. Mon mari, Kessen, est parti en expédition, dans le nord, à un endroit qui s'appelle la Bataille des Ossements, là où même les morts continuent de se battre. C'est un voleur particulièrement doué, et on lui a demandé de récupérer un objet, un orbe, pour quelqu'un et de le rapporter à la porte de Baldur. L'argent que cette mission doit rapporter dépasse de loin nos rêves les plus fous. Mais quand je lui ai demandé de parler de l'expédition, il a réagi bizarrement. Il avait l'air hébété, comme s'il était hypnotisé ou envoûté. Il ne pensait qu'à retrouver cet orbe pour son nouveau patron. Eh bien, on s'était donné rendez-vous au champ de l'elfe, quoi qu'il arrive. Mais ça va faire bientôt 3 jours que je l'attends, et toujours aucun signe de lui. Je crains le pire. J'ai vraiment très peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de terrible. Okay. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas un radis, et c'est pas la peine de venir me tourner autour. Alors du vent! Il y a toujours eu des voleurs à la porte de Baldur. Ceux-là sont juste un peu plus violents que d'habitude. Mais c'est pas mon affaire. N'empêche que je préférerais dépenser mes pièces au bar. Plutôt que de les garder dans ma poche. C'est Alit, la patronne. Elle refuse de me servir depuis 2 jours. Je reviens tous les jours en espérant qu'elle change d'avis. Mais il n'y a rien à faire. Et avec l'histoire de la cave, je peux même pas me choper une petite bouteille en douce pour m'aider à oublier. Ouais, si vous pouviez prendre la clé à Eton et faire un tour dans la cave pour me rapporter une bonne petite bouteille. Ouais, ça m'irait parfaitement. Merci bien, hein. Tenez, en voilà une autre. Je sais pas ce qu'elle contient, mais l'odeur est épouvantable. Et dedans, il n'y a pas ce que je cherche dans une bouteille honnête. Ah. Bien le bonjour. Si vous cherchez une bonne lame ou une robuste cotte de maille, vous avez frappé à la bonne porte. Mon stock en armes et armure n'est pas très fourni, vu la demande qu'il y a en ce moment. Mais j'ai une livraison qui ne devrait pas tarder. Ben, en fait, je sais pas trop pourquoi, mais bon, il paraît qu'il y a eu pas mal de grabuges entre les guildes de voleurs. Mais enfin, je me fiche pas mal qu'ils s'entretuent. Moi, je vois pas bien l'utilité des voleurs en général. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je propose que des bonnes affaires, ici. Vous recherchez quoi? Ah,
Mes armes viennent des forges naines des montagnes du couchant, et ce sont les meilleures des environs. Tout ce qu'il vous faut, croyez-moi. Encore plus de 2000. Si vous avez besoin d'une arme pour paralyser un crâne, ou bien d'un casque pour protéger le vôtre, vous avez frappé à la bonne porte. Cherchez les meilleures armes au meilleur prix. N'allez pas plus loin. Ici, on vous offre un excellent. Que j'ai combien, moi, 2031 d'or, ok. Oh, tac. On se trouve à la taverne. Mon expérience, ah, waouh! Expérience 3000 niveau suivant. Je suis pas prêt. Chaud les gros comme ça. Ah, et que de ça en plus. Oh là là.
Ah, du coup, faut que je retrouve les voleurs. J'ai racheté quelques potions de pommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux plus racheter les potions de soin. Ah. Plus courte la série. Six. Neuf. Un truc ça. Bon, je dois remonter. Ah, il faut que j'achète des potions de soin, ça va pas ça. C'est pas la rose. Vous l'avez jamais ou quoi? Je propose que des bonnes affaires ici. Vous recherchez quoi? Je sais pas combien. Mes armes viennent des forges naines des montagnes du couchant, et ce sont les meilleures des environs. Ah, c'est des meilleurs, ça. Attends, Épée, hache, arc, j'ai absolument tout ce qu'il vous faut, croyez-moi. Non, elle est trop chère, 63 dollars, la potion, c'est grave cher. C'est un mec.
J'ai vendu mes trucs. Je pense qu'on va s'arrêter ici du coup. Merci tout le monde d'avoir regardé. Puis voilà quoi. Oh, je suis épileur, ça ira de retrouver les voleurs du coup, je pense. Et voilà.